j'ai toujours pratiqué les sports nautiques depuis que j'ai 4-5 ans. Et c'est un sport qui est super complet, on peut le pratiquer dans tout type de conditions. Voilà, on peut aller à l'eau tous les jours et se faire plaisir. Et dans la baie du Havre ici, c'est super, je trouve bien mon compte avec cette discipline. C'est dans ce territoire que j'ai toujours évolué, où j'ai commencé les sports nautiques. Et aujourd'hui, je m'entraîne pour courir à haut niveau. Et voilà, c'est un endroit qui m'a toujours énormément apporté, que ce soit au niveau sportif, culturel et social. J'aime bien m'entraîner le matin, disons de 8h à 10h par exemple. Ça permet de bien commencer la journée. Et tu peux attaquer tes activités détendues. Je préfère ça que le pratiquer le soir. Généralement, quand j'ai une compétition dans la journée, je vais me faire une bonne nuit de sommeil, me lever assez tôt avec une petite séance d'étirement assez courte, un bon repas pour quelques heures avant la course, histoire d'être prêt et d'avoir des forces. Voilà, quelques instants avant la compète, c'est un peu de musique et après c'est parti quoi. J'ai été deux fois champion de France en 2018-2019 et j'ai été champion d'Europe avec l'équipe de France en 2018. Mon objectif à court terme, c'est de rester champion de France, donc de reprendre le titre cette année qui se jouera en novembre. Et puis à long terme, c'est devenir champion d'Europe individuel cette fois et pourquoi pas champion du monde un jour.